Elle est la première collaboratrice du patron. On dit d'elle qu'elle perd son temps à lui faire gagner du temps. La secrétaire, objet de toutes les attentions, met très souvent la cinquième roue du carrosse. Après un premier colloque en mai 2013 à Lomé au Togo sur les réalités de la corporation, un second colloque international bientôt à Abidjan. Thème choisi, le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation. Il importe donc que les secrétaires, assistants et attachés des directions des pays membres de la FASAD unissent leurs efforts afin d'amener leurs gouvernants à approuver et à mettre en pratique les résolutions qui sortiront du prochain colloque. Une rencontre intercontinentale meublée de conférences, d'ateliers et autres salons spécialisés. L'idée est de trouver réponse aux grandes préoccupations et autres questions concernant le statut réel de la secrétaire. Une secrétaire qui rentre avec le BTS n'a pas de profil de carrière. Elle n'évolue pas, elle reste en B3 jusqu'à la retraite. Pendant ce temps, il y a des agents de notre famille d'emploi qui rentrent avec la catégorie C et qui finissent avec la catégorie D7. Nous allons toujours travailler au cours de ce deuxième colloque-là sur la question de l'identité, parce que le reclassement et l'identité administrative, c'est ça. Le deuxième colloque international des sciences secrétariales, une initiative de la Fédération africaine des secrétaires, assistantes et attachés de direction FASAD, aura lieu du 24 au 29 novembre prochain.